Bonjour tout le monde et bienvenue sur le serveur test de World of Tanks, puisque je suis sur le serveur test pour la preview de la prochaine mise à jour, la mise à jour 1.0.2. Et tout de suite, si vous vous demandez comment aller sur le serveur test, c'est tout simple, vous allez sur le serveur officiel de World of Tanks, vous cherchez une des mises à jour, des news qui concernent la mise à jour, vous allez dessus, vous descendez tout en bas, eh bien, il y a indiqué comment le télécharger, comment l'installer. Attention, uniquement les joueurs qui sont inscrits, qui ont créé un compte avant le 16 mai à 21h59, heure de Paris, ont le droit de venir sur le serveur test. Et que contient rapidement cette nouvelle mise à jour? N'oubliez pas que je vais vous mettre les timecodes dans la description, hein, pour que vous alliez uniquement au passage qui vous intéresse. Donc, vous allez avoir deux nouveaux chars tier 10 russes. Des maps qui ont été rebalancées suite au passage, à leur passage en HD, donc à la 1.0. La map Klondike, ou Klondike, je sais pas comment ça se prononce, qui revient, parce qu'elle était déjà présente dans les grandes battles, et ben elle va revenir. Des nouveautés concernant la customisation des chars. Le nerf de l'objet 268 version 4, un nerf attendu par beaucoup de monde, et qui arrive. Et des modifications sur le camp d'entraînement, sur l'accueil des nouveaux joueurs. Sur World of Tanks pour les joueurs qui ont moins de 1000 batailles. Donc on va commencer par ce dernier point, la modification du camp d'entraînement. Bon, alors je vais vous le faire rapide, hein. En gros, vous avez des missions qui ont été rajoutées dans le camp d'entraînement et qui vont permettre aux joueurs qui ont moins de 1000 batailles et qui n'ont pas de tier 6 de pouvoir, s'ils remplissent toutes ces missions, s'ils réussissent à faire toutes ces missions, ce qui ne doit pas être très compliqué, ils auront des jetons pour pouvoir choisir un char tier 6 même s'ils ne l'ont pas recherché. Donc une facilité pour les joueurs qui débutent dans World of Tanks pour atteindre rapidement le tier 6. Un char tier 6 non premium, bien sûr. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Pour moi, ça peut pas faire de mal. Peut-être que ça incitera des joueurs qui auraient été écœurés par le temps qu'il faut pour atteindre le tier 6, justement, à rester dans le jeu et à rester accroché au jeu. Et ça peut ne faire que du bien, je pense. Surtout que c'est uniquement les joueurs qui ont moins de 1000 batailles et qui sont concernés. Alors après, j'entends déjà les cris d'effroi des joueurs confirmés qui disent « Ouais, mais c'est n'importe quoi, on va permettre à des joueurs qui ont moins de 1000 batailles d'atteindre le tier 6 » facilement. En même temps, il faut moins de 1000 batailles pour atteindre le tier 6. Après, normalement, si vous avez fait le camp d'entraînement, si vous avez fait toutes les missions, théoriquement, vous devriez connaître les bases du jeu. Alors, comme je le disais dans le sommaire des changements, point de vue customisation des chars, parce que jusqu'à présent, on ne pouvait appliquer des peintures notamment que sur les chars tier 8 premium, tier 9 et tier 10. Et bien, maintenant, on pourra le faire sur tous les chars tier 8. Sur tous les chars tier 8, vous pourrez appliquer des peintures plus ou moins historiques, plus ou moins jolies, plus ou moins... Après, comme je dis, il n'y a pas de mauvaise couleur ni rien, il n'y a pas de peinture moche, c'est simplement les joueurs qui ont mauvais goût. Par exemple, si je vous mets un rose comme ça, c'est pas super génial, ça fait un char plutôt assez moche, dirons-nous. Mais tous les goûts sont dans la nature et tout le monde n'a pas bon goût. Bref, là, je mets de la réalité. Donc oui, vous pourrez peindre plus ou moins avec goût tous vos chars tier 8. Après, dans la deuxième phase du test de la 1.0.2, devrait apparaître la possibilité aussi de faire la même chose pour tous les tier 6 d'après le patch note. Par contre, dans le patch note, il n'est pas évoqué les tier 7, donc je ne sais pas si les tier 7 sont concernés par tout ça. Et on peut remarquer qu'on n'est plus dans la prairie, dans le garage normal. On est d'ailleurs, c'était quelque chose dont je m'étais plaint. Les couleurs sont, avec le soleil rasant, les couleurs sont un peu compliquées pour estimer la couleur qu'on aura sur notre char une fois le camouflage appliqué. Et ben, ils ont réglé le problème en transférant votre char, dès que vous cliquez sur customization, en transférant le char dans un endroit, dans un atelier de peinture où l'éclairage est assez uniforme pour vous permettre de juger comment sera votre char sur le champ de bataille et à quoi il ressemblera.
Maintenant, on va parler de quelque chose qui va faire plaisir à beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'attendait, c'est le nerf de l'Object 268 version 4. Les joueurs le trouvaient trop fort, et ben ils vont être récompensés, ils vont être satisfaits, vu qu'il va subir un nerf assez important. Sa vitesse de rotation qui va baisser, ça va passer de 23 à 22 degrés secondes. La dispersion du canon qui va augmenter. Le temps de visée qui va passer à 2,5 secondes alors qu'il est à 2 secondes à l'heure actuelle. La vitesse qui va baisser puisqu'il aura une vitesse de pointe de 50 km/h alors qu'à l'heure actuelle c'est du 55 et en marche arrière ça sera du 18 au lieu de 22 à l'heure actuelle. Ses points de vie aussi qui vont baisser 200 points. Et la puissance de son moteur qui va aussi baisser puisqu'il passe de 1500 chevaux à 1350 chevaux. Donc je pense que ça va avoir un impact sur son accélération. Et point de vue nerf blindage, vous me direz. Eh bien, le nerf blindage, je n'ai pas les valeurs. Les valeurs sont pas spécifiées dans le patch note. Donc je me réfère à ce qui avait été donné lors du super test. Je ne sais pas si ça a évolué depuis, mais pour le super test, les valeurs de blindage avaient été baissées d'une manière assez importante, notamment au niveau du télémètre de la tête de marteau, puisqu'on avait du 232 alors qu'avant on avait du 252. La coupelle de commandement qui passait à 232 aussi alors qu'elle était à 252, et le badcast qui passait à 201 alors qu'avant il était à 236. On verra si ce nerf sera suffisant. En tous les cas, un char qui prend cher. Il y a également des maps qui ont été modifiées, des passages qui ont été bloqués d'après ce que je vois dans le patch note, donc sans doute des collines ou des sommets de montagnes qui ne seront plus accessibles, du climb qui ne sera plus possible sur ces cartes-là. Donc il parle de Runeberg, de falaises, de abbayes, de rivières de sable et de toundra. On se retrouve sur Malinovka pour les changements qui ont eu lieu apparemment sur les maps. Donc on a fait Fjord, on n'a rien vu. J'ai mon fidèle assistant avec moi, Alexis, et lui non plus n'a rien vu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si, il y a peut-être un chemin qui est un peu plus bas de 1 mm à un endroit, mais bon, je suis pas sûr du tout. Et sur Malinovka, parce que maintenant on est sur Malinovka, la seule différence, après il y a peut-être les spawns qui ont reculé, autrement la seule différence c'est l'église qui a tourné. Avant elle était dans l'autre sens, et encore je suis même pas sûr de moi, l'entrée était de ce côté-ci avant, et maintenant la tour est de ce côté-ci, alors qu'avant elle était là. Donc je sais pas si ça changera beaucoup point de vue gameplay, mais c'est une modif. Je sais même pas si c'était nécessaire de l'indiquer sur le patch note. Mais bon, c'est... voilà. En tous les cas, nous, on est en train de jouer au jeu des 7 erreurs, à savoir les différences sur les maps, sur les différentes maps. On va aller voir les deux autres maps après, je sais plus lesquelles c'est. Et on va voir si on trouve des différences. En tout le cas, sur Fjord, on n'a rien vu. La map soi-disant a été modifiée pour améliorer l'équilibrage de la map, et franchement moi j'ai rien vu, Alexis non plus, donc je sais pas. Si vous avez remarqué des modifs, si vous êtes au courant de modifs, n'hésitez pas à le dire. Dans le cas, nous on n'a rien vu. On continue notre jeu des 7 erreurs, les gens, pour essayer de trouver les modifications qui ont été faites sur les maps. Là on est sur col de montagne et on est en train de se demander si ce rocher il est dans la version actuelle du jeu. Ou s'il a été rajouté, j'ai un doute. Parce que le rocher ne me paraît pas... Ça me paraît un rocher inconnu. Je pense que j'ai jamais foncé dedans, celui-là. Je me suis jamais caché derrière, je sais pas. Il y a un doute. Un gros doute, là, sur ce rocher. Alors j'ai l'impression, mais encore une fois, c'est qu'une impression, parce qu'on est en train de jouer au jeu des 7 heures, que le rocher ici a été modifié. Et que toute la partie derrière a été modifiée. J'ai l'impression que c'est pas identique à ce qu'on peut avoir sur la version actuelle. Notamment au niveau de ce rocher là, il y a plus d'abris, plus de possibilités de... c'est différent, il faudrait faire côte à côte pour comparer, mais j'ai pas forcément le temps de comparer sur les deux versions ce qu'il y a comme différence, mais j'ai cette impression là. Après j'avais un doute sur la position de ce rocher, ce bloc de rocher là qui est juste devant mon char, j'avais l'impression qu'il avait été un peu reculé. Je sais pas ce qu'en pense Alexis. Alors là peut-être, mais... Si, ça a été aplani en fait. Toute cette partie là a été aplani parce qu'ici on avait un creux avant avec une bosse. On avait un creux là où je suis, il y avait un creux. Il y avait une bosse à ma droite et le rocher était légèrement plus loin me semble-t-il.
Tandis que Ah, c'est maintenant, possible. c'est tout plat, c'est tout aplani, il n'y a plus moyen de se cacher. Ça a changé ici aussi, ça a changé les gens. C'est pas pareil là. C'est pas pareil ici. C'est plus plat, pareil. Ici on a ce petit... c'est différent. C'est différent, ils ont aplani toute cette partie là. C'est différent, ouais. Ça, c'est des positions que j'ai déjà utilisées et c'est différent. Et c'est pareil ici. Ici, auparavant, on voyait de l'autre côté du pont les gens qui apparaissaient devant Alexis là-bas, tandis qu'ici, on ne les voit plus. Donc, cette position, ce rocher a été modifié. Cette position de tir est différente. Pour avoir le visuel qu'on avait avant, on va être obligé de se placer ici, voilà. De se placer à droite du rocher, alors qu'avant, on pouvait se placer à gauche. Et viser juste devant Alexis. Et on est sur Erlandberg, toujours à chercher les différences. Alors j'ai l'impression que l'angle de cette muraille là a été changé. Et ici l'ouverture pour monter dans le château a été changée. C'est plus... on est moins à l'abri des chars qui pourraient être en face. Et encore non, parce qu'on a ce petit tas de gravats là qui n'était pas forcément ici avant. Et ici c'est différent. On a plus... à l'heure actuelle on a une espèce d'antichambre à l'entrée du château, à ce niveau-là, et là on arrive directement dans la cour du château, c'est différent. Ce niveau-ci, ça a été changé. Ça a été changé. Ici, on a une petite fenêtre de tir, je sais pas si elle servira. Mais c'est différent, c'est différent. Ce côté-là est différent du château. Après, je sais pas s'il y a eu des modifs sur l'as de la map. On va continuer à chercher. On se retrouve sur le coin des snipers, des chasseurs de chats, et j'ai l'impression que c'est moins boisé qu'avant, donc éventuellement moins facile à se cacher à ce niveau-là, ce qui va peut-être permettre au vert d'avancer, à ce côté de la map, de pouvoir avancer, de pouvoir attaquer le château, alors qu'avant on était, alors qu'à l'heure actuelle on est un peu bloqué par les chasseurs de chats. À voir. Bon, après avoir fait le tour des différentes maps, c'est vraiment des changements mineurs, des rochers qui ont été limés à droite, qui ont été rajoutés à gauche, des arbres qui ont été arrachés. C'est franchement des trucs pas forcément évidents à voir, ces petites modifs-là. Surtout quand vous ne vous planquez pas dans ces coins-là. Je n'ai jamais été me planquer par exemple en face là-bas, donc je suis incapable de dire s'il y a plus d'armes ou pas. Mais à vue de nez, comme ça, visuellement, j'ai vraiment l'impression qu'il y a moins d'armes. Sur Fjord, bah, on n'a pas vu les différences, c'est peut-être juste les spawns qu'on changeait. En tous les cas, si vous le savez, bah, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, même si bah, comme vous le voyez, c'est pas des révolutions hein, c'est des petites modifications qui vont peut-être avoir leur impact sur le gameplay, mais ça va pas non plus révolutionner le gameplay, ça va pas être une révolution de ce point de vue là. Donc les deux nouveaux tiers 10 russes qui vont apparaître dans le jeu, c'est tout simplement le K91, char moyen tiers 10, qui suit l'objet 432. Donc jusqu'à présent, il n'était pas apparu encore, il était prochainement, il y avait marqué prochainement sur sa case. Et bien, il vient d'apparaître, enfin plutôt, il va apparaître dans la 1.0.2. Et l'objet 277 qui suit le T10 qui est l'ancien IS-8 qui a été renommé à une époque et qui depuis prête à confusion parce que c'est un T10 alors qu'il n'est pas T10 vu qu'il est tier 9 et non tier 10. Le son tier 10, ça sera l'objet 277. Alors pourquoi ils ont fait ça dernièrement, ils ont beaucoup modifié les branches, c'est simplement pour que le gameplay soit à peu près homogène du début à la fin de la branche, enfin du début, on va dire à partir du tier 6, tier 7 jusqu'au tier 10, que le gameplay soit à peu près identique, qu'il n'y ait pas de grosses différences de gameplay entre les chars. Alors qu'est-ce que vaut ce char, le K91? Donc c'est un char avec une tourelle à l'arrière, donc forcément c'est pas un char, c'est un char qui va être un peu compliqué à jouer, puisque dès que vous allez monter sur une bosse, tout de suite vous allez avoir votre canon qui va pointer vers le ciel. C'est un char qui va plus
pour moi, après c'est mon avis personnel, hein, vous pouvez avoir un avis différent, mais qui va plus se jouer en fond de cours, en deuxième ligne, et non pas au contact, comme peuvent plus se jouer T-62, Object 430U, Object 140, les autres moyens russes. Là, c'est un char qui va plus rester un petit peu en retrait, qui va être un mixte entre chasseur de char et un char moyen, un peu comme le 416, d'ailleurs, je trouve qu'il ressemble énormément au 416, la tourelle, elle rappelle énormément la tourelle du 416. Et point de vue stat, et bien point de vue stat, c'est déjà, on peut remarquer que sa vitesse de pointe est intéressante, par contre il a énormément de mal à accélérer, et quand on regarde les stats, bah ça trompe pas, parce que il a la moins bonne accélération de tous les chars moyens russes. Point de vue blindage, et là encore c'est à prendre avec des pincettes, parce que j'ai pas le modèle pour l'instant, le modèle 3D sur Tank GG, donc pour visualiser où est le blindage, où sont les plaques de blindage, le modèle n'est pas encore, elle n'a pas encore été généré, donc je peux pas vous dire exactement où sont les plaques de blindage, mais il est donné avec 140 de blindage sur la coque, sur le châssis, pardon, et 60 sur les côtés et 45 à l'arrière. Ce qui en fait un intermédiaire par rapport au T62A et à l'Object 140, vu que eux, ils ont que 100 de blindage frontal, alors que l'Object 430U a 160 de blindage frontal. Mais encore une fois, faut voir où est placé ce blindage frontal-là. Point de vue tourelle, il y a une tourelle de 220, 140, 60, ce qui est pas énormissime, hein. L'Object 430U a du 300 de tourelle, et le T62A, Object 140, ont du 240. Point de vue de pénétration, il a une très bonne pénétration, puisque en obus standard, il a du 276, là où un T62A a du 264, un Object 430U du 252, un E50M a du 270, donc meilleure pénétration qu'un E50M, et un 221 a du 258. Point de vue dommage, bah ça fait du 320, exactement la même dose que le T62A. Il y a quelque chose concernant le canon qui frappe quand on prend le char pour quand on sort le char pour les premières fois, c'est la vitesse des obus, parce que les obus ils vont très vite, ils font du 1700 mètres par seconde, ce qui est quand même ce qui est la vitesse la plus importante parmi les moyens tier 10 en obus standard. Pour comparaison, l'Object 140 fait du 1535 mètres seconde. Et là, j'ai été surpris parce que je pensais que c'était le Centurion AX qui avait une meilleure vitesse d'obus. Et ben non, pas du tout. Le Centurion AX fait du 1478 mètres seconde. En même temps, 1535, 1478 mètres seconde. Je ne pense pas qu'on fasse la différence. Donc une grosse vitesse d'obus qui est là, sans doute, pour compenser le fait que ce char-là, comme je vous le disais, c'est plus un char de deuxième ligne vu qu'il a la tourelle à l'arrière, qu'il a un peu des problèmes dès qu'il y a une petite bosse ou etc, vous allez avoir des problèmes pour ajuster votre cible vu qu'il y a tout le capot qui est devant la tourelle, et donc vous allez avoir des problèmes de dépression avec le canon, donc du coup cette vitesse d'obus est peut-être là pour compenser ce petit problème. D'ailleurs, à noter que, point de vue distance de vue, il a du 410 mètres, soit 10 mètres de plus que ses copains russes. Donc peut-être là aussi pour compenser le fait qu'il ne peut pas aller complètement au contact comme ses petits frères, ses petits cousins. Et aussi un gros coefficient de camouflage, vu qu'il a du 17,96 de camouflage, alors que le T62A a 15,28 de camouflage, par exemple. Donc quand même un camouflage assez important pour ce char, qui a une silhouette très basse, et comme je vous le disais, qui rappelle énormément l'Object 416. Donc après, c'est un char, comme je vous le disais, qu'il faut jouer un peu plus en distance, donc ceux qui aiment aller au contact et jouer les ninjas, ce sera pas vraiment un char pour vous, je pense. Après, ce n'est encore une fois que mon avis. L'autre nouveauté, c'est bien sûr l'Object 277, le char tier 10 qui succède, qui est la suite du tier 10, du T10, pardon. Donc le T10 qui était un char très mobile, qui était un espèce de lourd moyen, vu que c'est un lourd qui a une super mobilité. Et bien ce qui est surprenant quand on monte à bord pour la première fois, ou qu'on monte à bord de l'Object 277,
c'est vraiment cette mobilité, un char qui est très mobile, qui a peut-être un peu de mal à accélérer dès que ça monte un petit peu, on sent qu'il y a du poids, mais si c'est sur du plat ou sur de la descente, vous allez atteindre des plus, je sais plus combien la vitesse de max, mais il me semble que j'ai atteint du 60 de mémoire dans la partie, du 61 en vitesse en descente, me semble-t-il. Après, sa vitesse max sur du plat, c'est du 55, mais il me semble avoir atteint en descente du plus que 55, donc à voir. Un char vraiment qui surprend par sa mobilité, vu qu'on s'attend à ce tir-là à avoir des chars quand même qui sont un poil plus solides, un poil plus lourd sur leur chenille, et bien lui il est surprenant, on a presque l'impression d'avoir un moyen entre les mains. Un point de vue blindage, et bien un point de vue blindage c'est un peu comme le K91, j'ai pas le modèle 3D donc je peux pas savoir exactement où est le blindage, mais en gros il a du 140 en plaque frontale, du 112 sur les côtés, du 50 à l'arrière, du 290 pour la tourelle, 224 sur les côtés et 80 à l'arrière. C'est pas celui qui est le plus blindé forcément, hein. C'est, vu sa mobilité on peut s'attendre à ce qu'il soit pas fortement blindé. Il est loin des 175 en blindage frontal caisse de l'object 705A, il est plus proche des 140 de l'IS-4, la caisse est plus proche de l'IS-4, la tourelle, bon, on a du 290 quand même, qui est une bonne amélioration par rapport aux 250 du tier 10, 290 c'est aussi plus important que la plaque frontale qu'on peut avoir sur l'IS-4 qui est du 250 ou sur l'IS-7 du 240, et d'ailleurs on se surprend, je me suis surpris à faire ricocher quelques tirs avec la tourelle, donc une tourelle qui peut quand même être utile, qui peut faire des choses. Un char franchement à faut essayer de cacher la caisse, faut essayer de travailler le hold-on, donc montrer que la tourelle et jouer sur la mobilité pour ne pas hésiter à se relocaliser dès qu'on est spoté, dès qu'on est vu par l'ennemi, on tire son obus et ensuite on part pour aller ailleurs et pour trouver une nouvelle fenêtre de tir pour pouvoir mettre sa dose. Et point de vue dose, c'est pas mal, parce que en obus standard, un peu comme le K91, eh ben, il a du 265 de pénétration, ce qui en fait le char russe lourd qui a le plus de pénétration en tier 10, vu que l'object 705A a du 256, l'IS-7 du 250 et l'IS-4 du 258, donc c'est quand même assez intéressant, du 265, c'est assez sympathique. Après, point de vue dose, il met du 490, donc les mêmes doses que l'IS-7 et un peu plus que l'IS-4, mais beaucoup moins que l'object 705A. Et d'ailleurs, ça en fait le char qui... Et d'ailleurs, ça en fait le char russe qui a le meilleur taux de dégâts par minute, puisqu'il fait du 2666 de dégâts par minute, alors que l'IS-4 fait du 2263 et l'IS-7 du 2238 et l'object 705A du 2247. Non, un char, moi je l'ai joué et je l'ai trouvé assez sympathique, très très mobile, vraiment un moyen très solide, c'est un moyen qui a du blindage, qui est très solide, et ça c'est assez plaisant, ça fait plaisir, on peut faire ricocher quelques tirs, on peut prendre plus de risques peut-être qu'avec un moyen, et on a quand même une certaine mobilité pour pouvoir reculer, se relocaliser, et ainsi pouvoir tirer, pouvoir surprendre les ennemis qui sont en face, et pouvoir leur prendre les flancs, l'arrière, plutôt que de rester bêtement devant, c'est plus intéressant. Donc un char, franchement un char dans la droite lignée du T10, tout comme le K91 est dans la lignée de l'object 432, l'object 277 c'est franchement la même chose que le T10 en mieux. Je me faisais la remarque l'autre jour en stream que peut-être ça va peut-être être un peu lassant d'avoir des lignes justement qui sont uniformes comme ça du début à la fin et on n'a plus de surprises, on n'a plus de changement de gameplay. Alors je sais que c'est une volonté de Wargaming, mais peut-être que ça va être lassant de jouer du tier 7 au tier 10 le même type de char. Peut-être que ça va en lasser certains vu qu'on n'aura plus de surprises de découvertes à faire le long de la ligne. Après, vous pouvez donner votre avis sur ces deux chars, hein, K91 et l'objet
277 dans les commentaires, dites ce que vous en pensez, et dites, oui, ce que vous en pensez de cette uniformisation du gameplay sur les différentes branches des chars. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette mise à jour 1.0.2 qui n'est pas si grosse que ça, mais je pense qu'il y a pas mal de petites corrections aussi, de corrections de bugs qui ne sont pas dans le patch note par rapport à l'1.0. En général, c'est une grosse mise à jour après une mise à jour un peu plus petite et après une nouvelle grosse mise à jour. En général, c'est dans cet ordre là qu'on a les mises à jour, donc il faut pas s'étonner d'avoir une mise à jour un peu moins grosse que les précédentes, mais on a quand même de nouveaux tier 10, ce qui n'est pas rien. En tout cas, vous pouvez donner votre avis dans les commentaires, laissez votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, ça fait plaisir, et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes tombé par hasard sur la chaîne, et n'hésitez pas non plus à être curieux et à aller voir les autres vidéos de la chaîne, ça fait plaisir. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao ciao, à plus, portez-vous bien, faites attention à vous, et on se retrouve la prochaine fois. Ciao ciao.